A family of three mysteriously vanishes into thin mountain air. She knew things about witchcraft. Sherilyn and Bobby believed that there were spirits in them, in their house, and it frightened them. But could their haunted house actually have scared the Jamesons to death? Hello, c'est Lionel. Aujourd'hui, on va parler d'une disparition qui est sans doute l'une des plus mystérieuses et effrayantes des États-Unis. La disparition de la famille Jamieson. Cette affaire reste encore irrésolue à l'heure actuelle. Et je dois dire que j'ai jamais vu un dossier aussi compliqué. Parce qu'il existe un nombre hallucinant de pistes qui vont toutes dans des directions différentes. Et que personne n'a pour l'instant trouvé la clé du mystère. Donc accrochez-vous. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. Nous sommes en 2009, à Eufaula. Une petite île de l'Oklahoma située dans le comté de McIntosh à environ 2 heures de route d'Oklahoma City. À l'époque, Bobby Jamieson a 44 ans et ça ne va pas très fort pour lui. Bobby est en invalidité depuis un accident de voiture. Sans emploi, il donne juste parfois un coup de main gratuit dans la station-service de son père. De plus, Bobby souffre de problèmes de dos chroniques depuis son accident de voiture et doit prendre des médicaments antidouleurs. Depuis plusieurs années, Bobby est marié à Sherilyn, une femme aux origines amérindiennes âgée de 40 ans. Dans le passé, Sherilyn a travaillé dans le domaine de la beauté, mais en 2009, elle est désormais sans emploi, comme son époux. Souffrant de troubles bipolaires, Sherilyn doit suivre un traitement, mais il semblerait que sa maladie ne soit pas bien stabilisée et elle connaît parfois des épisodes de dépression assez sévères. À Eufaula, le couple vit dans une maison proche d'un lac. Un cadre de vie assez agréable donc, et il survit essentiellement grâce au chèque d'invalidité touché par Bobby. Autant dire qu'en 2019, les Jamieson sont dans une situation compliquée. Ils cumulent les problèmes. Non seulement ils ont des problèmes de couple, mais ils ont aussi des soucis financiers et traversent une crise existentielle, spirituelle même. Pour le moins tourmentés, ils se sont tournés vers la religion et Jésus. Ils ont pour projet de quitter leur maison de Eufaula car ils n'ont plus les moyens d'y rester et parce qu'apparemment, ils veulent s'installer en pleine nature, vivre à l'écart de la société. Ayant envie de solitude, ils projettent d'acheter un terrain loin de la ville et vivre dans un conteneur de stockage qu'ils ont entreposé pour l'instant sur leur propriété. En octobre 2009, la vie n'est donc pas rose pour Bobby et Sherilyn, mais il existe tout de même un rayon de soleil dans cette grisaille. Madison, leur petite fille de 6 ans qu'ils adorent. Bobby et Sherilyn ont l'air apparemment décidés de réaliser assez vite leur projet de changer de vie, car le jeudi 8 octobre 2009, ils ont prévu de visiter un terrain à vendre. Ils veulent aller voir sur place et c'est normal avant de faire un achat immobilier. Ce jour-là, ils emmènent donc avec eux leur fille Madison et aussi leur petite chienne nommée Maisie. La famille entière quitte donc son domicile de Eufaula à bord de leur véhicule, un pick-up blanc. Par la suite, les jours défilent et les proches des Jamieson ne reçoivent plus aucune nouvelle d'eux. Au départ, ils ne sont pas trop inquiets parce que Bobby et Sherilyn ne les appelaient pas tous les jours. Ils avaient même pris un peu leur distance avec leur famille depuis quelques temps. Et il arrivait parfois qu'ils s'absentent plusieurs jours sans prévenir quiconque. Mais le lundi 12 octobre 2009, 4 jours plus tard, c'est toujours le silence total. Et l'entourage commence à s'inquiéter. Starlette Jamieson, la maman de Bobby, se pose beaucoup de questions. Parce que Starlette est assez proche de Madison, sa petite fille, qu'elle a souvent gardée quand sa maman était dans des phases de dépression. Et Connie Cocotan, la maman de Sherilyn, elle, envisage le pire. Son instinct lui dit qu'il leur est arrivé quelque chose. Les deux femmes allèrent donc les autorités, c'est-à-dire le bureau du shérif du comté de Latimer. Au départ, le shérif nommé Israël Beauchamp se veut rassurant. Il pense que la famille est peut-être partie camper quelques jours. Et c'est vrai qu'ils sont partis le jeudi précédent, qu'on est lundi, ils ont très bien pu décider de prendre quelques jours en plus pour visiter d'autres terrains et aussi se détendre au vert. Donc au départ, le shérif ne s'affole pas trop. Mais les jours passent et la famille ne revient toujours pas. Et là, la situation devient franchement anormale. Parce que quand toute une famille se volatilise sans raison apparente, c'est toujours très inquiétant. Les hommes du shérif se mettent donc à les chercher sérieusement. On émet un avis de recherche officiel et les patrouilles sont informées. Mais le problème dans ce genre d'affaires, c'est de savoir où chercher. Et cette famille peut être n'importe où en Oklahoma, voire même avoir quitté l'État.
Les forces de l'ordre tentent donc de localiser les Jameson, sans résultat. En parallèle des recherches, les hommes du shérif mènent des investigations. Et leur premier réflexe est de se rendre au domicile de la famille. Ils font une enquête de voisinage pour essayer d'en savoir plus sur Bobby et Cherilyn, et là, ils vont apprendre des informations particulièrement effrayantes. Là, je fais juste une courte pause pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un pouce en l'air, et si vous voulez d'autres vidéos pour parler d'autres mystères, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune vidéo. C'est juste un petit clic, c'est totalement gratuit et moi ça m'encourage à continuer, donc merci. Alors que la famille Jameson n'a toujours pas donné le moindre signe de vie, les hommes du shérif vont dans leur quartier pour interroger leurs voisins. Et ils ne reviennent pas de ce qu'ils leur racontent. Les Jameson avaient apparemment des problèmes de voisinage et Cherilyn avait un comportement étrange. Elle disait à tout le monde qu'elle était une sorcière et qu'elle avait des pouvoirs. Elle avait d'ailleurs écrit des graffitis sur leur conteneur en métal, le fameux conteneur dans lequel ils comptaient vivre plus tard. Dans ces graffitis, Cherilyn dénonçait notamment l'empoisonnement de ses chats noirs. Elle pensait que quelqu'un du quartier avait empoisonné ses trois chats. Les sorcières n'aiment pas que leurs chats soient tués, avait-elle écrit. Cherilyn versait dans l'occulte. Elle faisait des séances de spiritisme et prétendait être capable de voir les morts. Et selon elle, sa fille Madison avait le même pouvoir qu'elle. Mais il y a pire. Depuis un moment, les Jameson étaient convaincus que leur maison était hantée. Cela aurait démarré quand Madison avait commencé à parler avec une amie imaginaire nommée Emily. Et Cherilyn pensait que Emily était en réalité une entité malveillante. Persuadés que leur habitation était infestée par des esprits maléfiques, les Jameson étaient allés voir un pasteur local nommé Gary Brandon pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aide. Selon eux, un exorcisme était nécessaire. Bobby était visiblement aussi inquiet et perturbé que son épouse. Lors de leur rencontre avec le pasteur, quelques jours avant leur disparition, il lui aurait dit que plusieurs esprits vivaient sur le toit de leur maison, qu'il avait peur des démons, et il aurait même demandé au pasteur s'il savait où il pourrait acheter des balles assez puissantes pour tirer sur ces entités et protéger sa famille. Par ailleurs, Bobby avait même acheté une Bible satanique dans l'objectif de trouver un moyen de se débarrasser de ces démons envahissants. Avant leur disparition, les Jameson étaient donc persuadés que leur maison était hantée. Ils avaient l'air effrayés. Est-ce la raison pour laquelle ils voulaient absolument partir? La raison pour laquelle ils auraient fui? Bien entendu, cette histoire de hantise peut sembler délirante. Seulement, d'autres personnes ont témoigné et rapporté aussi avoir vécu des choses étranges à l'intérieur de la maison de Jameson. Nikki Chenold, la meilleure amie de Cherilyn, a déclaré dans les médias qu'elle ne voulait pas paraître folle, mais qu'à chaque fois qu'elle allait dans la maison de la famille, elle sentait une présence horrible et elle repartait complètement déprimée. Et d'après Nikki, cette maison était bel et bien hantée. Quand ils apprennent tout ça, les hommes du shérif n'en reviennent pas. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Suspectant qu'un crime a pu être commis, ils décident de rentrer dans le domicile de la famille disparue. Ils pénètrent dans la demeure et à l'intérieur ne constatent aucun désordre particulier ou signe de violence. Ils ne voient rien d'anormal, jusqu'au moment où ils visionnent les bandes de vidéosurveillance de la maison. En effet, même si Eufaula n'est pas une ville où il y a beaucoup d'insécurité, les Jameson avaient installé des caméras à l'extérieur de leur maison pour leur sécurité. Les hommes du shérif examinent donc la bande vidéo du 8 octobre 2009, le jour de la disparition de la famille. Et là, ils voient qu'elle a un comportement bizarre. Sur les images, on voit Bobby et Cherilyn charger leur véhicule pendant un long moment. C'était visiblement avant de partir visiter le terrain qu'ils comptaient acheter, mais ils font au moins 30 ou 40 allers-retours. Par moments, ils ne portent plus les mêmes vêtements, ils se sont changés quoi. Et quand on observe bien, ils ont une attitude bizarre. Ils amènent des affaires de la maison à la voiture, puis les reprennent parfois pour les ramener dans la maison. Et par moments, ils ne transportent rien du tout. Ça n'a pas de sens. Et ils n'interagissent jamais entre eux. Par moments, ils s'arrêtent, le regard vide. On dirait deux zombies. Déconcerté, le shérif Beauchamp va demander l'avis d'un psychologue et selon ce dernier, les Jameson ne sont pas dans leur état normal. Ils ont sûrement pris de la drogue. Pendant ce temps-là, les recherches continuent dans la région de Fola, mais les Jameson restent introuvables. Et Starlet et Connie, les deux grands-mères, se rongent le sang. Elles se demandent ce qui s'est passé et si la petite Madison va bien. Et cinq jours plus tard, elles vont avoir un début de réponse. Le samedi 17 octobre 2009, un chasseur signale à la police qu'il a repéré un pick-up GMC blanc.
le même modèle que celui des Jameson. Visiblement abandonné, le véhicule se situe sur une route en terre dans les monts sans bois, au nord-ouest de Red Hook, à une soixantaine de kilomètres de Fola. Précisons que l'endroit est vraiment difficile d'accès. On est dans une zone sauvage et isolée. Le pick-up est au bord d'une route menant à un terrain nu, un ancien site de puits de pétrole. Et là, il n'y a rien, à part de la terre et la forêt un peu plus haut. Les hommes du shérif du comté de Latimer se rendent aussitôt sur place et constatent qu'il s'agit bien du pick-up de Bobby. Les officiers ne repèrent aucun signe de lutte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Il n'y a aucune trace de sang. Les portières du véhicule sont verrouillées. Quelqu'un les a donc fermées à clé. Les policiers réussissent à ouvrir les portières, et là ils ont une surprise. Ils pensaient que le véhicule était vide, mais non en fait. En fait, ils vont trouver Maisie, la petite chienne de la famille. La petite chienne est toujours dans le véhicule. Elle est affamée, assoiffée, elle est très faible, mais elle est encore vivante. Le terrain qu'ils envisageaient d'acheter était un peu plus haut dans la colline boisée. Et détail intéressant, le pick-up était arrêté sur le côté de la route, dans le sens de la descente. En clair, c'est comme si la famille s'était arrêtée en repartant. Précisons que leur véhicule était en parfait état de marche. Il n'était pas accidenté ou en panne. Il y avait même encore du carburant dans son réservoir. C'est plutôt bizarre donc. Et Israël Beauchamp, le shérif du comté de Latimer, envisage désormais que quelque chose de grave est arrivé aux Jameson. Par conséquent, il met le paquet pour les retrouver. Il lance une vaste opération de recherche autour de leur véhicule, l'une des plus importantes menées dans l'Oklahoma. Y participent plus de 400 volontaires, des hommes à cheval, un avion, des hélicoptères, une douzaine d'équipes cynophiles. Une importante zone est passée au peigne fin, cependant, on ne trouve rien. Signalons qu'au départ, le shérif Beauchamp croyait que le véhicule avait été volé et abandonné à cet endroit, et que la famille n'avait peut-être même pas mis les pieds dans cette montagne. Mais il a vite changé d'avis. On est certain que la famille est venue sur place et qu'elle a même passé un peu de temps dans le secteur pour plusieurs raisons. Primo, on a retrouvé les coordonnées GPS du site dans des papiers avec eux. C'était bien l'un des terrains qu'ils envisageaient d'acheter. Secondo, on a retrouvé sur place une épave de voiture couverte de graffitis religieux parlant de Jésus. Le même type de graffiti qu'avait fait Cherylyn sur le conteneur près de chez eux. Et tertio, on a récupéré dans le pick-up un appareil photo contenant une photo de Madison prise dans le secteur. La famille Jameson est donc bien venue à cet endroit, mais bon, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, quoi. Vu qu'on a juste retrouvé le véhicule de la famille vide, les hommes de loi vont faire une fouille minutieuse, et ils vont faire des découvertes surprenantes. Ils vont trouver plein de choses, en fait. Les manteaux de la famille, les deux téléphones portables de Bobby et Cherylyn, leur portefeuille, le sac à main de Cherylyn, un appareil GPS, etc. Ils ont visiblement laissé toutes leurs affaires à bord, quoi. Et ça n'est pas fini. Les policiers vont faire une trouvaille inattendue. Ils vont découvrir caché sous le siège du conducteur un sachet en plastique rempli de billets pour un montant total de 32 000 $. Une grosse somme d'argent, donc. Au vu de tous ces éléments, ça pourrait donner l'impression que la famille Jameson a quitté momentanément son véhicule et qu'elle comptait revenir peu de temps après. Car rappelez-vous, ils ont même laissé leur petite chienne à l'intérieur. Et Madison adorait cette chienne. Donc si la famille comptait partir longtemps pour une raison X ou Y, ils auraient sûrement emmené leur chienne. Ils ne l'auraient pas laissée dans la voiture. Ou alors ça pourrait vouloir dire que la famille a été braquée par quelqu'un en redescendant. On les a obligés à descendre de leur voiture sans rien prendre et en laissant leur chienne. À ce stade, c'est toujours le flou total. Mais les enquêteurs ont toujours dans l'idée que la drogue a pu jouer un rôle dans ce mystère. Souvenez-vous des images troublantes enregistrées par les caméras de surveillance de la maison des Jameson avant qu'ils ne partent. Le couple n'avait pas l'air dans son état normal. Les policiers théorisent alors que les Jameson, sous influence de produits illicites, auraient quitté sans raison leur véhicule et se seraient perdus dans les bois où ils seraient morts d'hypothermie. Et cette théorie peut s'entendre, hein, c'est vrai. Le petit problème, c'est qu'on n'a pas trouvé un seul gramme de stupéfiant, que ce soit au domicile ou dans le véhicule des Jameson. Et leurs proches ont démenti qu'ils touchaient à ce genre de produits. Par contre, le couple était bien sous traitement. Bobby prenait des médicaments sous ordonnance, des antidouleurs pour son mal de dos. On a d'ailleurs ramassé plusieurs flacons de pilules dans son pick-up. Même si la famille ne consommait pas de substances illicites, le fait qu'on ait retrouvé une importante somme d'argent en cage dans leur véhicule a fait naître une rumeur selon laquelle elle avait prévu d'en acheter.
mais que le deal aurait mal tourné. C'est l'une des nombreuses théories avancées dans cette affaire, mais elle n'est pas satisfaisante pour une raison simple. Si les Jamison se sont fait enlever voire assassiner par des trafiquants avec qui ils devaient faire affaire, pourquoi ne leur a-t-on pas volé leur argent? Pour quelle raison a-t-on laissé ce gros paquet de billets dans leur camionnette? Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas logique. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien de très logique dans ce dossier, et il y a énormément de pistes. C'est ce qui rend cette affaire aussi complexe. Pendant 9 mois, les battues vont se poursuivre autour du lieu de la disparition des Jamison, et les sauveteurs ne vont rien trouver. Pas une empreinte, pas un vêtement, rien. La famille s'est comme volatilisée. Mais l'enquête continue. L'affaire est jugée sérieuse au point où le bureau du shérif du comté de Latimer reçoit l'aide du FBI, la police fédérale. Parce qu'on soupçonne un possible triple enlèvement dans ce dossier. Et il ne faut pas oublier qu'une enfant de 6 ans a aussi disparu. Si le shérif envisage la thèse accidentelle, selon laquelle la famille aurait péri dans les monts sans bois après s'être égarée, il n'écarte pas non plus la piste criminelle. Car la famille Jamison avait potentiellement des ennemis. Et en août 2009, 2 mois avant les faits, un incident perturbant était justement survenu. Un ami et homme à tout faire nommé Kenneth Bellows vivait à ce moment-là chez les Jamison. Et un jour qu'ils discutaient, Bellows aurait tenu des propos racistes envers les Indiens d'Amérique, ou Native Americans. Et en apprenant que Cherilyn avait elle-même du sang indien, Bellows serait devenu agressif et l'aurait même menacé de mort. Cherilyn aurait alors pris peur. Elle serait allée chercher une arme, un pistolet calibre 22, et aurait ordonné à l'homme de partir. La dispute se serait poursuivie jusqu'à l'extérieur de la maison, et ce n'est que lorsque la femme aurait tiré un coup de feu par terre, au pied de Bellows, qu'il serait enfin parti. Donc là, les enquêteurs se disent que l'homme a peut-être voulu se venger. Mais Bellows va être blanchi de tout soupçon car il était en prison au moment de la disparition des Jamison. Nous verrons plus tard que d'autres personnes auraient pu vouloir faire du mal à cette famille, mais que la menace est peut-être venue aussi de l'intérieur. En effet, les policiers ont trouvé dans le pick-up des Jamison un journal et des lettres écrites par Cherilyn dans lesquelles elle traite son mari de personne toxique. Elle dit que c'est un monstre qui lui a brisé le cœur. Et lorsqu'ils lisent ces textes, les hommes de loi ont le sentiment qu'elle aurait pu avoir un mobile pour assassiner son époux. Surtout que, comme dit plus tôt, elle possédait un pistolet calibre 22, une arme à feu qu'elle avait déclarée et qu'elle transportait avec elle quand ils partaient avec leur pick-up. Donc les policiers commencent à se demander si ça n'est pas Cherilyn qui a fait le coup. Est-ce qu'elle n'aurait pas assassiné son mari et sa fille dans la foulée? C'est théoriquement possible. Ça peut arriver, malheureusement. Mais les proches du couple doutent de cette théorie pour plusieurs raisons. D'abord parce que si le couple avait certes été en crise, ça allait mieux depuis récemment. En effet, dans les dernières pages de son journal intime, Cherilyn ne fait plus de reproches, mais des compliments à son mari. 3 jours avant leur disparition, Cherilyn écrit dans son journal « Bobby Jamison est un génie. Un homme avec des dons spéciaux. Une âme aimante et tendre. Avec tout mon amour, Cherilyn. » Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on écrive de tels mots sur quelqu'un qu'on est sur le point d'assassiner. Ce qui peut aussi nous faire douter de cette théorie, c'est que Cherilyn adorait sa fille Madison. Ses grands-mères pensent qu'elle n'aurait jamais levé la main sur sa fille. Par la suite, les années vont s'écouler sans qu'on sache ce qui est arrivé aux Jamison. Et pour leurs proches, comme pour toutes les familles de personnes disparues, c'est un calvaire. Mais fin 2013, 4 ans après les faits, un coup de théâtre va se produire. Le 16 novembre 2013, des chasseurs de cerfs découvrent les restes de 2 adultes et d'un enfant. 3 crânes, des ossements et fragments d'os, des chaussures et quelques morceaux de vêtements. Trouvé à plus de 4 km au nord de l'endroit où avait été abandonné le pick-up des Jamison, ces restes humains sont tellement décomposés que les analyses médico-légales vont durer très longtemps. Il va falloir attendre 8 mois pour obtenir la confirmation qu'il s'agit bien des cadavres de Bobby, Cherilyn et Madison. Ils seront identifiés grâce à l'ADN et leur dossier dentaire. Les secours seraient passés à côté de ces corps lors de l'opération de recherche parce qu'ils étaient peut-être cachés par des feuilles. On va attendre, bien sûr, avec impatience, le résultat des autopsies, pour savoir de quoi ils sont morts. Malheureusement, le médecin légiste va juger impossible de déterminer la cause des décès à cause de l'état de dégradation des corps. Il a toutefois noté que le crâne de Bobby présentait un petit trou, et certains ont soupçonné que ce trou avait été causé par une balle. Mais ça n'a jamais pu être prouvé parce que on n'a jamais trouvé aucun projectile, que ce soit à l'intérieur du crâne ou autour des corps. Ce petit trou pouvait tout à fait avoir une cause naturelle, comme l'action d'un animal charognard très présent dans la région. Ceci dit,
Il faut quand même dire que les trois cadavres ont été apparemment retrouvés, alignés, côte à côte, le visage tourné vers le sol. Ce qui pourrait laisser penser à une exécution. Par conséquent, il subsiste un doute. On ne peut pas totalement écarter la thèse d'un assassinat. Et c'est toute la complexité de ce dossier. Vous allez voir qu'on ne peut éliminer aucune piste, en fait. Pendant des mois qui vont devenir des années, la police locale et le FBI vont enquêter pour tenter d'élucider ce mystère. Et la tâche est difficile car il y a énormément de pistes qui partent toutes dans des directions différentes. Par la suite, le shérif Beauchamp va quitter ses fonctions. Et il va le faire à regret parce qu'il avait fait de cette affaire une affaire personnelle. Sa propre fille avait le même âge que la petite Madison, mais il n'a pas réussi à trouver la solution. Comme il l'a lui-même déclaré, normalement quand vous faites une enquête, vous commencez par éliminer un par un certains scénarios. Mais ils n'ont pas pu le faire dans cette affaire, car avec cette famille, tout semblait possible. Aujourd'hui, l'enquête sur la disparition et la mort mystérieuse des Jamison reste ouverte. Mais de l'avis de Jesse James, le nouveau shérif du comté de Latimer, c'est une affaire très étrange. Ouais, ça sert à rien de le dire. Et la police n'a pas été en mesure d'éliminer complètement quoi que ce soit. Nous avons déjà vu plusieurs théories dans cette affaire, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et pour faire simple, ce sont surtout des scénarios qu'on pourrait classer dans la catégorie actes criminels. Comme si cette pauvre famille Jamison n'avait déjà pas assez de problèmes intérieurs, de problèmes internes, elle avait apparemment aussi potentiellement des ennemis extérieurs. Quand on étudie les faits d'un point de vue extérieur, on se rend compte que, avant qu'il ne leur arrive malheur, les Jamison étaient certainement dans un état de paranoïa. Ils souffraient de paranoïa. Ils se sentaient menacés de partout, jusque dans leur maison qu'ils pensaient hanter. De la vie de tous, ils n'allaient pas bien mentalement, les pauvres. La raison était certainement essentiellement médicale, mais ils auraient quand même pu avoir de vrais ennemis dans le réel. Tout n'était pas forcément que dans leur tête. C'est un fait, des personnes auraient pu leur vouloir du mal dans la vraie vie, parce qu'ils étaient brouillés avec pratiquement tout le monde. Leurs voisins, leur famille, et encore d'autres personnes. Passons maintenant en revue d'autres théories, d'autres pistes souvent citées dans cette affaire. Cette théorie a pour origine l'incident survenu entre Cherry Lynn et Kenneth Bellows, l'homme raciste qu'elle avait chassé de chez elle. Questionné par la police après la disparition de la famille, l'individu a été écarté de la liste des suspects parce qu'il avait un alibi solide. Néanmoins, le bruit a circulé que Bellows avait des connexions avec un groupe de suprémacistes blancs de la région, et qu'en représailles de ses actions, Cherry Lynn et sa famille auraient été mis sur une liste noire, autrement dit, une liste de gens à tuer. Pourquoi pas, mais on n'a jamais pu le prouver. Avant de disparaître, la famille Jamison était perdue spirituellement. Elle se sentait menacée par des esprits, des démons, et avait même supplié un pasteur d'exorciser leur maison. Vu ses écrits et graffitis, Cherry Lynn vénérait Jésus-Christ et pratiquait en parallèle la sorcellerie, tandis que Bobby avait lui-même carrément acheté une Bible satanique. Vu ce contexte particulier, certaines personnes comme Connie Cocotan, la mère de Cherry Lynn, ont avancé l'idée que la famille, très vulnérable à cette période, aurait été kidnappée et tuée par un culte religieux de l'Oklahoma. C'est possible, mais cette piste de la secte n'a pas non plus pu être étayée par un élément de preuve. Dans ce dossier, un nombre assez impressionnant de pistes, de théories ont été avancées. Je vais vous en présenter deux autres. Comme déjà dit, cette famille était en conflit avec beaucoup de monde. Et Bobby était même en conflit avec son propre père, Bob Jamison, âgé de 67 ans en 2009. Bobby poursuivait son père en justice pour lui réclamer de l'argent. La moitié du produit de la vente d'une de ses stations-service, pour être précis. Et Bobby avait peur de son père, qui, paraît-il, aurait menacé de le tuer plusieurs fois. Sympa la famille. Cependant, Bob Jamison, qui avait des problèmes de santé, était soit dans un hôpital, soit dans une maison de repos au moment de la disparition de la famille. En clair, il avait un alibi. En tout cas, Bobby a écrit que son père était un homme très dangereux qui pensait être au-dessus de la loi. Et qu'il était impliqué dans des activités louches, avec notamment la mafia mexicaine. Ce qui nous amène à la théorie suivante. Je vous l'avais dit, ce dossier est dingue. Certains ont spéculé que la mafia mexicaine aurait supprimé Bobby Jamison avec sa famille car il était devenu gênant. Ou bien que c'est Bob, son propre père, qui aurait payé des tueurs à gages, des sicarios comme on dit au Mexique, pour éliminer son fils. On n'a jamais su ce qu'il en était réellement parce que Bob Jamison, le père de Bobby, est décédé en décembre 2009, 2 mois après la disparition. Même si le père de Bobby était lui aussi quelqu'un d'un peu perturbé, apparemment, la police l'a enlevé de la liste des personnes d'intérêt après vérification. Donc comme je vous l'ai annoncé dès le départ, c'est vrai que cette affaire est très compliquée parce qu'aucune théorie n'est vraiment satisfaisante.
On a des hypothèses qui paraissent tenir la route, mais c'est vrai qu'il y a toujours un élément qui colle pas. Reparlons par exemple maintenant de Cherilyn qui a été suspectée dans l'affaire. Si c'est vraiment elle qui a fait le coup, comment se fait-il qu'on n'ait pas retrouvé son arme ? On n'a trouvé aucune arme par terre, dans les bois, où a péri la famille. Et en cas de mauvaise rencontre, en cas de crime crapuleux, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé toutes les affaires de la famille dans la voiture, tous leurs objets de valeur, tout leur argent ? Il y avait quand même 32 000 dollars, c'était un petit pactole. Avançons maintenant doucement vers la conclusion, mais ne partez pas, chères spectatrices et spectateurs, j'ai encore des choses à dire. Comme je vous l'annonçais dès le départ, c'est vrai que ce dossier est extrêmement complexe, c'est très dur d'y voir clair. Le gros problème dans cette affaire, c'est que, comme le disait le shérif Beauchamp, on ne peut finalement écarter aucune piste dans cette affaire. Et c'est un problème parce que dans les enquêtes de police en général, on vérifie hypothèse après hypothèse, on referme les portes comme on dit. Ici, on ne peut refermer aucune porte. Et c'est dû aussi au fait que la famille Jamieson, la pauvre, avait une vie chaotique. Elle cumulait énormément de problèmes. C'était presque un aimant à problèmes, j'ai envie de dire. Hein. Elle cumulait les problèmes de santé, mentaux, financiers, spirituels, relationnels, etc. Elle était repliée sur elle-même et en froid avec sa famille, ses voisins. Enfin, elle avait aussi potentiellement des ennemis. Donc tous ces faits, tout ce passif, tout ce contexte un peu lourd, ça crée un épais brouillard. Et cette famille est finalement décédée dans ce brouillard. Voilà pourquoi on ne sait pas ce qui leur est arrivé, quoi. Ce qui est sûr, c'est que avant de connaître ce destin tragique, la famille Jamieson était dans une très mauvaise passe. Elle était dans une spirale infernale, sans mauvais jeu de mots. Et au final, on n'est pas forcément surpris que tout ça se soit mal terminé. Ce qui est vraiment triste dans cette affaire, c'est qu'une petite fille de 6 ans qui n'avait rien demandé à personne, qui était vraiment innocente, a perdu la vie. Pour celles et ceux qui sont encore là, vous avez bien fait de rester parce que j'ai encore des choses à dire. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution dans ce mystère, je ne l'ai pas plus que les autres, mais vu le brouillard épais qui, comme je vous le disais, entoure cette disparition, je pense que pour essayer d'y voir plus clair, il faut vraiment en revenir aux faits. Aux premières constatations faites sur place quand on a retrouvé le véhicule de la famille. L'une des seules choses dont on est à peu près sûr, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la mission, c'est que la famille s'est visiblement arrêtée en repartant du site. Pour mémoire, les portes du pick-up étaient fermées et verrouillées avec toutes leurs affaires laissées à l'intérieur, leur argent et leur chienne. Si la famille a quitté son véhicule en laissant toutes ses affaires à l'intérieur, il n'y a pas 36 solutions. Soit elle l'a fait volontairement, soit elle a été forcée à le faire par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas forcément. La famille a pu faire en repartant une mauvaise rencontre ou être témoin de quelque chose de gênant, complètement par hasard. Mais dans ce cas-là, pourquoi les a-t-on forcés à marcher pendant des kilomètres dans les bois pour les supprimer, alors qu'on aurait très bien pu le faire sur place ? Parce que la route en terre où on a retrouvé leur pick-up était déjà au milieu de nulle part. Il n'y a pratiquement aucun passage là. Ça n'était donc pas forcément utile de les emmener aussi loin, à moins qu'on ait fait ça peut-être pour retarder la découverte de leur corps. Il y a un autre point important qui affaiblit la thèse criminelle, c'est que d'un point de vue médico-légal, rien ne prouve que la famille était assassinée. Sachant qu'en plus personne n'a touché à la voiture, aux objets de valeur et à l'argent de la famille, il faut vraiment se demander si la famille Jamieson n'était pas complètement seule au moment du drame. Et si ça se trouve, l'explication pourrait être assez simple. Donc là je vais spéculer, mais je vais vous présenter un scénario qui pourrait être envisageable. Peut-être qu'en repartant, en conduisant, Bobby, il a vu sur le côté un autre terrain. Et il aurait pu dire à sa femme, ah ben tiens, t'as vu là-bas, ça a l'air sympa, on va aller voir. Donc il se serait arrêté très peu de temps après être parti. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés voir avec leur fille, mais comme ils pensaient n'en avoir que pour quelques minutes, ils ont laissé absolument toutes leurs affaires à bord de leur pick-up, notamment leur chienne. Donc ils se sont éloignés du véhicule, ils se sont un petit peu engagés dans la végétation. Et le problème, c'est qu'ils se sont trop éloignés. Ils se sont trop enfoncés dans la forêt et ils se sont perdus. Parce que tout le monde est unanime pour dire qu'ils étaient perturbés mentalement à ce moment-là. Vu leur état mental un peu confus, vu qu'ils n'avaient pas leur téléphone portable ou GPS avec eux, ils n'ont jamais réussi à retrouver le chemin de leur voiture. Et vu qu'ils n'avaient pas emporté non plus leur manteau avec eux, ils ont pu succomber aux éléments durant la nuit. Il faut savoir qu'au mois d'octobre, les températures sont assez froides la nuit dans cette région de l'Oklahoma. Quelques degrés au-dessus de zéro seulement. Dans ce scénario, la famille Jamieson aurait connu une fin assez bête, il faut le dire. Hein.
Mais ça a pu arriver, il y a déjà eu des précédents dans le monde. Voilà, donc je tenais à vous présenter ce scénario parce que, malgré sa simplicité, ce scénario est aussi crédible, comme beaucoup d'autres aussi, c'est tout le problème. Je vous laisse maintenant vous faire votre propre opinion sur cette affaire. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant de les lire. Voilà, donc, si vous avez apprécié cette émission, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir, et aussi de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Merci à celles et à ceux qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne, comme aussi aux abonnés de la première heure. Je profite de l'occasion aussi pour vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez sous les vidéos, pour les messages que vous m'envoyez aussi. Je regrette vraiment de ne plus pouvoir répondre à tout le monde par manque de temps, mais bon, sachez que j'apprécie énormément votre soutien. Voilà, c'est dit. Merci d'être là et fidèle au rendez-vous à chaque sortie de vidéo, en gros, une fois tous les 15 jours. Donc, merci. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Vous allez voir, on va voyager un petit peu. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça. Et en attendant, ne disparaissez pas.